Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau let's play sur Hogwarts Legacy. Alors ce n'est pas tout à fait un nouveau let's play car j'ai déjà quand même 17 heures de jeu dessus, mais on est aujourd'hui sur Hogwarts Legacy, sur le nouveau tout nouveau jeu qui vient de sortir il y a à peine une semaine. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup joué à ce jeu, beaucoup beaucoup, parce que tout simplement j'adore ce jeu. Voilà, j'adore ce jeu. C'est un jeu d'aventure. On peut faire plein de choses sur ce jeu, il y a vraiment une multitude de choses à faire. Il y a du loot, il y a du farming, il y a vraiment plein de choses très intéressantes et qui peuvent donner envie de jouer à ce jeu en fait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup joué à ce jeu. En une semaine quand même, avoir 19 heures de jeu, c'est quand même déjà pas mal, surtout que je jouais pas tous les jours. Principalement le week-end et le mercredi, donc ouais. C'est vraiment un jeu excellent. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quand même pas mal avancé. Là, je suis sur mon C'est hippogriffe que parti. je viens de débloquer. Je viens de le débloquer. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement magnifique. Avec la musique derrière. Nous voilà sur Hogwarts Legacy. Sur le tout nouveau jeu Harry Potter. Qu'est-ce que c'est beau? J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Bréolard. Je n'ai même pas besoin de parler pour montrer ce que je ressens. Juste sublime. Pas me poser ici. Voilà, c'était juste magnifique. Cet envolé était absolument sublime. Donc voilà. Je vous ai donné un petit aperçu du jeu et je pense que vous êtes tous et toutes conquis par la beauté de ce jeu. Par le même le gameplay, hein. Bon certes il y en a qui vont critiquer le gameplay qui soit trop répétitif ou quoi, mais c'est pas mon avis. Les sorts ça donne vraiment une diversité au jeu et je trouve ça excellent. Le fait d'aller dans les gouttes comme je vous montrais là, je peux aller dans cette... Rebellion. Allô, Mora. Il n'y aura pas beaucoup de spoil sur l'histoire au cas où je voulais faire le jeu. Je vais pas beaucoup spoiler, je vais peut-être juste faire peut-être une quête principale, mais elle sera pas importante. Donc je vais pas beaucoup spoiler parce que c'est vrai que moi j'aurais bien. Moi j'ai regardé aucune vidéo parce que je sais qu'il y en avait qui l'avaient en précommande, enfin pas en précommande mais en version de luxe et du coup ils avaient 72 heures d'accès anticipé. J'ai pas regardé de vidéo parce que j'avais pas envie de me faire spoiler. Donc si pour de même, pour vous c'est la même chose. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Donc si pour vous c'est la même chose, je vais pas vous faire spoiler, bah, je vais pas beaucoup spoiler. J'ai pas fini de Rebellion. Cette maison.
trajet était incroyablement pénible avant de... Oh. Allô, Mora. Voilà, comme vous pouvez le voir, ce jeu, à mon avis, ceux qui regardent cette vidéo, si vous la regardez, c'est que vous avez déjà joué au jeu, ou peut-être pas, mais en tout cas, si vous n'avez pas encore joué au jeu, et que même vous n'êtes pas forcément fan de Harry Potter, bah, jouez-y, parce qu'il est vraiment excellent. Il y a du loot, il y a du farm, il y a tout dans ce jeu. Il y a une sorte d'aventure, surtout que c'est une histoire qu'on ne connaît pas, donc c'est ça qui est bien, c'est comme si on lisait un livre, qu'on regardait un film, qu'on jouait un jeu en même temps, en fait, c'est assez incroyable. Parce que souvent les jeux ou bien les films viennent de livres, mais là c'est pas le cas. Ça a été créé grâce au jeu d'ailleurs. Bon, je vais pas dire ça, ce sera trop long. Mais... Bon, je vais essayer de faire. Je vais être rapide, là déjà je suis un petit peu lent. Excusez-moi, c'est parce que je parle en même temps, mais. Il y a rien ici. La demi-guise, je peux pas la prendre maintenant parce qu'il fait jour, mais je pourrais la prendre tout à l'heure. Quel plaisir de vous revoir. Enfin, il fera nuit. Du coup, là, je vais prendre mon petit balai et on va tout de suite se diriger vers Poudlard. Non, je crois que je vais aller dans la salle sur demande pour aller un petit peu farmer. Et je pense que ce let's play, je vais peut-être attraper quelques créatures parce que j'ai pas encore attrapé beaucoup de créatures. Parce que oui, on peut capturer des créatures, donc je pense que je vais en capturer un petit peu. Ah ouais, je peux pas atterrir ici. Ah bah ouais, c'est logique. Je pensais que j'aurais pu, mais... J'ai jamais été dans cette maison là-bas. Rebellion. Là, je vais y aller. Pourquoi j'ai jamais appris à nager ? Ça, il faut un sort que je n'ai pas encore. Je pense que je vais me rendre sur la salle. Je vais me rendre à la salle sur demande. Et je vais un petit peu regarder. Parce que là, je viens de faire la partie où je débloque l'hippogriffe. Donc, je vais un petit peu regarder si je peux le mettre dans ma base. Je vais prendre les potions que j'ai créées. Je pense que je vais créer. Ça c'est pas mal, mais ça je pense que c'est bien aussi. Donc je vais un petit peu visiter mon petit parc dans la nature. Ah oui, c'est vrai que j'ai débloqué le nifleur. Je vais l'ajouter au vivarium. Oh, je peux l'ajouter à l'hippogriffe. J'ai enlevé une espèce. Vous savez, j'ai donné des petits surnoms. J'ai enlevé le boursault, j'en ai besoin pour plein de choses. Je pense que j'ai peut-être enlevé le. Mettre mon hippogriffe. Ne croira jamais. Bon, j'espère qu'après on pourra mettre un peu plus d'espèces parce que c'est vrai que c'est pas tant que ça. Elle me donne des ailes. Là c'est le
Celui que j'ai eu grâce à la précommande du jeu, j'ai eu, je pense, cette version-là, mais je me demande ce qui change entre les deux. Ah, je peux mettre les deux. Ah, je mets les deux alors. Ah, je peux récolter des trucs. Ah, ouais, ok. Je vais lui donner à manger. Est-ce que je peux monter sur... Oh, ils sont trop mignons comme ça. Vraiment trop mignons. Il est là, mon petit boursouf. Alors, ça va? Oh, il est trop mims. J'ai besoin de ta... tes poils. Pour améliorer mes équipements. Peut-être essayer de créer un petit truc ici. Qu'est-ce que je peux créer? Une boîte à jouer, ça j'ai déjà acheté. Oh, des petites structures. Oh, je peux créer un petit truc sympa. Je vais créer un petit château. Je peux pas. Ça, par contre, on peut faire un petit truc avec ça. Bon, je pense que je vais quand même enlever ça. Je vais peut-être aller construire une petite base loin là. Je sais pas, je peux aller jusqu'où. Ah, je peux aller jusque là quand même. Je vais créer un petit truc ici. C'est en dehors de l'espace de jeu. Bon, c'est pas grave. Ah, du coup, je peux le renommer. Waouh. C'est vrai que lui c'est nouveau aussi. C'est comme dans Les Animaux Fantastiques, le Nifleur. Peut-être que lui va me donner de l'argent. On sait jamais. Oh, il est trop mims. D'accord, je vais donner à manger. On sauvegarde la capture. J'étais obligé. Ah oui, pour l'info, je joue toujours sur Xbox Series S et ça marche super bien le jeu. Il marche vraiment super bien sur cette console. Faut juste mettre de préférence le mode performance pour favoriser les performances du jeu et pas les graphismes. C'est mieux, je trouve. Comme ça, c'est très fluide. Oh, je le vois pas.
Jusqu'à j'en ai pas du boursouf. Ouais, je prends vraiment mon temps, mais c'est parce que voilà, j'ai envie de profiter de ce jeu. C'est vrai que le début là, j'ai pris un petit peu de temps. Excusez-moi pour lancer. Je pense que je vais faire un petit peu de gameplay, comme ça vous aurez au moins des choses à voir. Parce qu'il n'y a pas grand chose à regarder. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux améliorer peut-être le gant. Écoutez, on va l'améliorer ça. Quoique. Faut quoi par exemple? Faut une plume de faucifère, fourrure de veau de lune et grain de sombral. Ok. Ah oui, mon personnage je l'ai pas beaucoup présenté. Vous allez voir beaucoup mieux dans les cinématiques. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai à faire comme quête? J'en ai plein. Ok, et l'enfant perdu. Pas, je vais faire quoi, mais je pense que je vais juste aller explorer. Je vais pas faire de quête. Ce sera pour les autres fois les quêtes. Là, c'est vraiment juste le let's play d'aventure, du début d'aventure. Juste pour représenter un petit peu le jeu, ma base, mon personnage, et faire un petit peu d'aventure. D'exploration. Je pense qu'on va se rendre à un petit truc loin. Je vais me rendre là-bas. Ouais, vers là-bas. Ah, j'ai jamais vu qu'il y avait tout ça. J'avoue que c'est assez grand. Je vais me rendre là. Je vais l'affronter l'ennemi inconnu. Comme ça fait un petit peu de gameplay. Un petit troll pour commencer. Je pense qu'il est chaud, mais on va quand même essayer de l'affronter. Si pas, je m'enfuirai. Et du coup, c'est vrai que je fais ce let's play à la suite de Star Wars. Si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Du let's play de Star Wars 3, l'épisode 3 sur PS2. Je le fais tout de suite à la suite de ce let's play ou le combat final. Donc, si vous voulez voir ce let's play que je viens de tourner sur Star Wars 3, bah, vous pouvez voir sur la dernière vidéo avant celle-ci. Justement, fait le let's play sur ce jeu. Mais en tout cas, là, on est sur Hogwarts Legacy. Et on est parti avec cette belle musique. Bon, je n'ai pas toujours utilisé l'hippogriffe, hein. Des fois il faut utiliser le balai. Je sais pas c'est quel le plus rapide. Je pense que c'est quand même le balai. Mais c'est plus stylé l'hippogriffe. Oh. Capturer lui, non? Non, je peux pas. Ouais. Il y a un troll là-bas, mais je pense que lui il est chaud. Hein. Oh, niveau 31. Oh non, c'est impossible. Oh
Oh non, il me one shot. Ah non, il meurt. Non mais c'est abusé. Quoi? Je peux gagner. Oh putain, j'ai chaud. Après là c'est simple hein. Juste qu'il y a beaucoup de vie et qu'il vaut trop.
Non. Ah, j'ai chaud. Bien sûr ma plante là. Finissons-le. Oh, c'est bientôt la fin du combat, ça devient épique. Let's go! Oh, c'était magnifique ce combat, vraiment. Bon, après, ces esquives, elles étaient assez simples. Mais c'était plus au niveau des points de vie, au niveau des attaques. Qui était vraiment dur à gérer. J'ai quand même dépensé pas mal de potions, mais déjà c'est bien. J'ai fait un beau petit combat là. Vous avez eu du gameplay au moins. Je me suis plutôt bien débrouillé. Sauf au début. On va directement aller là-bas. On est déjà à 27 minutes, ça passe très vite hein, sur ce jeu, c'est abusé. J'ai peut-être été trop lent au début du jeu. Bah vous allez voir mon personnage comme ça. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Des gobelins, voilà ce qu'il y a. Ceux de Ranrog, de bien méchantes créatures. Ils m'ont tendu une embuscade. Nous ne sommes plus en sécurité. J'ai besoin d'un petit quelque chose pour me protéger si je les croise à nouveau. Une potion Maxima devrait faire l'affaire. J'en ai pas. Je n'en ai pas sur moi. Vous pourriez aller en acheter à Préolard ou dans un des hameaux. Me faire extorquer par des serpents cendres? Non, merci. Mais si vous ne m'aidez pas, je vais devoir prendre ce risque. Comment vais-je bien pouvoir éviter les hommes de Ranrock? Bah, tu utilises ton sort de Confringo. De Confringo, pardon. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce dernier petit passage? Je pense que j'ai fait un petit peu. Je vous ai un petit peu montré le jeu. Bon, j'ai pas tout montré, pas du tout. Mais j'ai pas été beaucoup dans Poudlard. Mais bon, j'ai essayé de. Vu que, à mon avis, il y a plein de let's play sur World Legacy, on a eu plein de let's play. J'ai essayé de montrer des choses différentes. Voilà. Pas seulement des parties principales, ou pas seulement des combats basiques. Pas seulement des trucs qui pourraient se trouver facilement sur YouTube. Enfin, j'ai essayé de faire des choses différentes, et puis voilà. Je vais peut-être essayer de capturer une dernière créature. Ce sera la petite mascotte. Décolle. Pour terminer, et puis on aura déjà fini ce beau let's play. J'ai l'impression qu'il va beaucoup plus vite quand il est en hauteur, donc tandis que le balai quand il est en hauteur il va pas vite. Donc là c'est intéressant. C'est vrai qu'il est plus rapide le griffon. Faut que j'aille à une station, là-bas il y a des animaux. C'est le moment d'aller un peu plus vite. C'est la nuit. Ah non, c'est fait.
Non, c'est des joueurs habillés. Là-bas, il y a d'autres animaux. Des oiseaux, des sortes de phénix. Je prends. Non, ce sont des nifleurs. Je pensais que j'allais pouvoir prendre le phénix. Celui-là, à mon avis, je peux le prendre. Celui-là. Expelliarmus. Le vieux son. Non, je peux pas aller. Non, je peux pas. Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit? Bonne question. Bon, les champignons, je fais plus trop confiance depuis que j'ai vu The Last of Us. Voilà quoi. On sait jamais. Je peux toujours me transformer en zombie. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. J'ai pas fait exprès. Tu vois, ça c'est bizarre ça, que ça bouge comme ça. Étrange. J'ai pas envie de me faire zombifier non plus. Revelio. Croyez vraiment qu'on avait oublié l'histoire? Je te déconseille fortement d'essayer. Voilà donc l'enjeu. Voilà. Saleté de monstre. Exactement. J'avoue, je peux avoir aussi des animaux dans les camps de brigands. Mais je vais peut-être essayer d'ailleurs ça. Et je suis où sur la carte là? Jamais été aussi loin. Je suis loin. C'est encore les mêmes. Il y a peut-être un shiny. Oui, il y a un shiny là. C'est des shiny. C'est à moi shiny. Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Je prends le son. Shiny. Bon, on va peut-être aller voir un petit truc de brigand, comme ça je peux peut-être libérer. Revelio. La Bayonne. Non, ça, c'est... non, c'est pas un truc de brigand, ça c'est pas. C'est une grotte. Ah non, c'est un truc de brigand. C'est là-bas les grottes. C'est des trolls. Encore des trolls. C'est pas trop level, j'espère. Je devrais regarder ça de plus près. Troll de rivière. Ça va, je connais toutes les attaques des trolls.
Expelliarmus. Compris, go. Quoi, mais attends encore. Oh, c'est mauvais là ce que je viens de faire. Oh non, c'est encore plus mauvais. Je meurs là-dessus, c'est vrai. Faut que je finisse avec une tentacule venimeuse. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh. J'espère au moins que ça valait le coup. Ça valait le coup. Bah non, ça valait pas le coup. Tout ça pour juste un équipement bleu. C'est pas ouf. D'ailleurs, j'ai pas fait la visite de Préolar avec vous. Faudrait peut-être que je le fasse. Comme ça, c'est l'occasion de jouer. Des petits trucs en plus. Parce que je pense que j'ai quand même pas mal d'argent. Ah non, j'ai tout dépensé sur. Je vais quand même faire quelques courses après l'art. Puis on va déjà s'arrêter là. Bon, déjà, ça fait quand même déjà 39 minutes alors que j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Mais bon, ça passe tellement vite aussi le temps que. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar ? Ça passe tellement vite. Prenez votre temps. Il y a plein de livres merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. Ouais, dans tous les cas, ce sera. Ah, je sais pas, j'aurais dû les identifier, ça, je vais quand même les identifier. Ça coûte cher ça hein. Attention aléatoire, on s'en fout. Ouais, bon, je pense que je vais faire créateur de station de nourriture. Comme ça je sais que mes créatures sont raffineurs, non. On s'en fout. On s'en fout aussi. En vrai, il n'y a pas tant de choses que ça à acheter, mais il y a plein de trucs à débloquer dans la map en fait. Il faut le trouver dans les coffres, mais des trucs à acheter, il n'y en a pas tant que ça. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Ouais. Moi, j'ai acheté ça. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Et puis, peut-être que je vais m'acheter un petit chapeau dans le magasin de vêtements. Pour garder le petit souvenir. Vidéo, je sais plus c'est exactement où, mais je sais pas. Ah, c'est Halloween, c'est vrai que c'est Halloween, assez stylé. Hein.
vrai que c'est Halloween. Enfin, en tout cas, dans le jeu, pas dans la vraie vie. On est en plein février, mais dans le jeu, c'est Halloween. Parce que je pense que c'est en cinquième année, c'est par rapport aux saisons. Là, donc là, je suis par rapport au niveau d'histoire, je suis en automne et après, ce sera l'hiver, etc. C'est pas par rapport à la vraie vie, c'est par rapport au jeu, je pense. Donc là, on va aller dans le magasin de vêtements, c'est là. Parfait. Bienvenue. Entrez et n'hésitez pas à tout regarder, mais ne touchez à rien si vous avez les mains sales. Il n'y a aucun château qui chapeau qui C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Non, y a rien. Absolument rien. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. Quoi N'hésitez que... pas à revenir me voir. Ça. C'est comme si cette pièce avait non. été faite pour vous. Moi, je crois deviner que vous avez l'œil du soleil. Là. N'hésitez pas à revenir me soleil. Voir. J'avoue, des lunettes de soleil, ce serait stylé. Ouais. Mais bon, ça fait pas trop Harry Potter. Ça fait pas très sorcier. Bon, je vais peut-être changer un petit peu mon équipement et après, on va déjà s'arrêter là pour ce petit let's play. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme chapeau? Moche, ça va, mais... Et un petit flou. Bah, je vais laisser ça. Oh, il y a un petit flou aussi, ça. Je peux me mettre en rouge comme ça, ça peut être stylé. Ça, je suis full rouge, ça peut être stylé. Je sais pas, il y a la cape aussi comme ça, mais je préfère quand même l'autre truc parce que la cape on l'a gratuitement très facilement, donc vu que c'est plus rare l'autre truc, c'est ça que j'aime. Ouais. C'est stylé, je trouve. Ouais, je peux mettre comme ça aussi. Hein. Giga Chad. Non, on va laisser comme ça. Des manches de baguettes. Peut-être changer juste pour le fun. Vas-y, on va mettre. Non, ouais, vas-y, on va mettre ça. Monture volante. On va laisser celle-là. Et puis voilà, j'espère que ce let's play de 45 minutes vous aura plu, en tout cas moi il m'a plu. En tout cas on va continuer cette aventure, je ferai pas tout en vidéo, hein, parce que là comme vous pouvez le voir j'ai quand même fait pas mal de parties, et je fais seulement une vidéo maintenant, donc à mon avis je vais avancer sur le jeu, des fois je vais faire des vidéos, je vais avancer sur le jeu, des fois je vais faire des vidéos, mais souvent je ferai des vidéos quand ce sera des épisodes qui seront bien, qui seront sympas à faire en vidéo. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit let's play.